Son nom c'est Yahweh. Acclame Jésus, acclame Jésus, Jésus, acclame Jésus. Non, en fait, quand ils entendent facilement les noms, les prénoms, ils n'aiment plus acclamer. Hey. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Madame, vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez bien? Bon. Madame? Oui. Vous êtes malade? Bon, j'ai des douleurs. Vous avez des douleurs où? Dans les seins. Dans les seins? Oui. C'est quoi? Il y a quoi dans tes seins, ma fille? Bon, ça date de longtemps. En tout cas, les années ne nous intéressent pas ici. Même si ça fait 20 ans, Dieu est capable de te guérir d'une manière rapide et rapide. Oui, yes. L'onction que nous avons reçue est une onction de tomatuis. Amen. Ça veut dire que même si tu es malade depuis 55 ans, hey, en un jour, tu seras complètement guéri. Les cellules sont réparées. Ça veut dire qu'il y avait un malade qui était malade à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Hey. Le même jour, il a été guéri d'une manière rapide et instantanée. Amen. Donc, ça veut dire que la date ne nous intéresse pas. Hey. C'est que la situation, afin qu'on puisse changer ça rapidement. Amen. Vas-y, comment? Bon, en fait, j'avais une boule dans le sein gauche. J'ai été opérée. Ça date de longtemps, mais depuis l'opération, j'ai toujours eu des douleurs. Donc, la douleur est là depuis l'opération? Oui. C'était une opération de quoi? Je ne comprends pas la question. C'était quoi l'opération? C'était quoi le mal? Bon, il y avait une boule dans le sein gauche. D'accord. Et la douleur est toujours là. Tu veux qu'on puisse prier par rapport à ça? Mais ce n'est pas seulement cela. Il y a un problème de mariage dans ta vie, ma fille. Hein? Oui. Mais ta manière de répondre, là. Comme si ça devait parler au voisin. Hey! Ma fille, on est cachené, il n'y a pas COVID-19 ici. On l'a dompté depuis longtemps. Amen. Qui a suivi les témoignages sur le COVID-19? Ma fille qui a rendu témoignage. Qui a suivi sur les réseaux sociaux? Les gens ne me suivent même pas. Hé, hey, tiens, comment? Elle m'a dit, papa, elle m'a dit, j'ai le COVID. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas aller au travail. C'est fini. Elle dit, ma fille, c'est les hommes qui ont dit que tu as COVID. Hey. Sinon, l'onction qui est sur ma vie, là. Ce n'est pas une onction pour COVID. Il dit, prends une bouteille d'eau. Il a fait quelque chose. Il a secoué, il a fait quelque chose dans le monde spirituel. Oui, yes. Il lui a donné. Yes. Elle a bu. Mm-hmm. Elle m'a dit, fait test. Yes. Elle a dit, COVID est fini. Seul Jésus peut le faire. Ça y est, sur les réseaux sociaux, là-bas, principalement sur Facebook, YouTube, tu peux aller voir ça là-bas. Yes. Ma fille, tu peux pratiquer un peu. Dieu va te faire grâce. Tu n'as pas... Tu as un enfant, toi? Si. Tu as un garçon auprès de toi? Non, non, j'ai une fille, elle est là. Est-ce que tu as un garçon? Est-ce que tu as un fils? Non, non. Tu n'as pas de fils? Non. Mais j'ai vu un fils auprès de toi, c'est qui ça? C'est pas ton enfant? Professeur. Tu as fait un avortement, ma fille? Non, non. Mais pourquoi j'ai vu un enfant dans ton ventre? C'est comme un garçon. Tu es sûr, ma fille, il n'y a pas bébé qui était dans ton ventre? Non, non. Et puis, le premier bébé, c'est qui est là? D'avortement. Mais ma fille, je veux comprendre quelque chose. Je te regarde comme ça dans le monde spirituel. J'ai vu un garçon auprès de toi. Et j'ai vu comme si tu étais enceinte. Et c'est comme si l'enfant est tombé. Je vois comme si l'enfant n'est pas resté dans le ventre. Bon, en fait, j'étais avant ma fille, j'avais pris une grossesse et j'ai fait une fausse couche. Ça. Si on a vu, on a vu. Si je te dis, il y a quelque chose qui a vu, c'est que c'est vu. C'est qui a vu, a vu. C'est qui a vu, hein? Oh, yeah. T'as toujours dit que moi, je ne suis pas pasteur. Hey. La France va chier. Mais il veut aggraver, papa. Aggrave, papa. Ah. Hey. Il veut aggraver. Aggrave. Parce qu'il y a quelque chose qu'il voit. Il voit un petit comme ça. C'est comme s'il devait naître. Mais il ne le voit pas, il n'est pas resté. Mais, Te
télécharge, papa. Le téléchargement est propre. C'est propre. Il n'a rien. Dans le monde de l'esprit. Oh yes. Et j'ai vu comme si M A N puis je vois G. Ça ressemble plus à quelque chose qui ressemble plus à Mangua. C'est quoi? C'est mon nom de famille. Prophesy. C'est pour ça que tu l'as dit. Oh yes. Oh yes. Quand on a commencé. Accueille Jésus. Ma fille, Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime beaucoup. Amen. Et tu te bats pour tes enfants. Tu te bats pour ta fille. Amen. Tu te bats pour ta destinée. Amen. Mais pourquoi il y a vu un chapelet dans ta main comme ça? J'ai vu ça comme ça, les chapelets. Est-ce qu'avant, tu étais catholique? Oui, avant. Ça date de longtemps. Avant. Oui. Mais j'ai vu une couronne sur sa tête. C'est comme si la couronne, là, c'est son nom. C'est bizarre. J'entends comme... C'est comme Reine. Reine. Oui, mon nom. Mon deuxième prénom, c'est Reine. Ton deuxième prénom c'est Ren. Oh yes. Dieu va te faire craindre. Amen. Mais chante. C'est quoi chante? Chante. J'ai un troisième prénom. Chantal. 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 Hey. Il est le chemin. Ma fille, Dieu ouvre les portes devant de toi. Il ouvre les portes du mariage aussi devant de toi. Amen. Tous les hommes qui venaient dans ta vie et puis ils allaient venir te lui partir. Aujourd'hui, c'est fini. Amen. Je déclare que les hommes qui viennent, ils restent au nom de Jésus. Ma fille, hey. Je t'ai vu comme ça. Et puis, il y a eu un contact avec toi sur WhatsApp, mais pas ici, dans un autre pays. J'ai vu ce contact-là, mais précisément sur WhatsApp, mais pas ici, hein, mais sur un autre pays. Je vois cette connexion que Dieu veut faire pour toi. C'est comme un homme. Hé, hey, ma fille, tu es déjà en relation avec quelqu'un? Il n'y a personne dans ta vie. Il n'y avait pas un dragon. Il y a quelqu'un, mais j'ai préféré mettre fin à la relation parce qu'il ne s'engage pas vraiment. Il est un peu noir de peau. Bon, il est noir. Hey. Même pas un peu. Hey. Comme, c'est comme si tu étais en train de taper sur le clavier comme ça. C'est comme si tu étais en train de travailler pour un monsieur. Et c'est comme si on peut t'appeler comme une grande secrétaire façon là. Les secrétaires. Oui, je suis secrétaire. Oh yes! Hey! Dalili! Ma fille, tu veux avoir un homme ici ou bien un homme de l'autre côté? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Question. C'est que Dieu veut. Allons-y rapidement, ma fille. Qui s'appelle Marceline ici? Venez vite, venez vite. Tu veux quoi? Non, je veux que
Tu as bien répondu. Lève les deux mains. Ma fille, reste concentrée. N'aie pas peur. Il y a quelqu'un derrière toi. Jesus, reçois la grâce. Receive the grace of God. Au nom de Jésus. Now. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Et ne sois plus jamais la même. Au nom de Jésus. Tu as peur, ma fille. Elle a peur de tomber. Elle dit que si elle tombe devant. Non, mais je veux qu'on finisse de prier, mais elle a ouvert ses yeux. Elle dit amen. Oui. N'aie pas peur, ma fille. La main de Dieu est sur toi. D'accord? Amen. La grâce de Dieu est avec toi. Amen. Il déclare que l'homme de ta destinée arrive maintenant. Amen. Aujourd'hui, attends. Dimanche 19. Le 19 septembre. Yes. 2021. Yes. Fitzai. Et dans 6 mois, le monsieur arrive et je déclare qu'il prend une bonne décision au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Avec effet immédiat. Amen. Dis power. Power. Que soient les peines, les souffrances, les angoisses, les difficultés que vous vivez en ce moment, votre vie peut changer radicalement au nom de Jésus. Nous vous donnons rendez-vous au centre prophétique de miracles et de guérison. Sainte-Ité of the Lord, situé à Cocody, à Bata, cité du bonheur après mondial. Contact plus 225-05-13-85-85, plus 33-753-14-51-12, plus 33-753-86-61.